Hello tout le monde, c'est Magic Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de, du trajet Risa Dresden en Nice 3, donc sur la ligne à grande vitesse. Donc les amis, je vais pas en dire plus comme vous avez déjà vu la première partie de ce trajet. Donc moi je vous laisse avec la partie 2, c'est parti! Et donc, ouais, dans 3,6 km, ce sera 130 la vitesse maximale, et c'est là qu'on va rejoindre les lignes régionales. Je vous ferai un petit peu visiter le train au prochain arrêt, hein, pas en roulant en tout cas. Mais après, voilà, ça c'est les mêmes commandes qu'il y avait dans l'autre train, donc ça vous connaissez. Ouais, vous connaissez tout. Et on va devoir rouler à la vitesse de 130 dans 600 mètres. Voilà, on passe sur les lignes régionales et voilà, on a rejoint les lignes régionales qui sont à notre gauche. Juste là. Et là, sur cette ligne, ça circule pas mal avec les régionaux. Il y a pas mal de trains. Et on va pouvoir rouler à 160 jusqu'à l'entrée du virage de Dresden-Neustadt. Le petit sifflet de l'ICE. On croise un petit train, enfin petit train de marchandises assez long quand même, on va pas se le cacher. Mais bon, on est en Allemagne donc c'est normal qu'il y ait des trains autant longs que ça. Un petit train régional à gauche qu'on vient de dépasser justement. Et donc on voit une ligne qui passe au milieu des petits villages, petites villes. Assez quand même sympa comme petite ligne à faire. Et des petites gares à gauche sur une régionale. Par-ci par-là.
Et on arrive à Dresden-Neustadt dans 4,5 km. On aura un tout petit peu de retard, je pense. Et on voit la limitation de vitesse hein, à 3,8 km dans à 80 km/h dans 3,5 km, pardon. Ouais, je pense qu'on aura une petite minute de retard, même pas. On a roulé comme il fallait, donc pas de raison qu'on soit en retard, quoi. À part on a roulé assez pépère, hein, tranquillement, mais sûrement, comme on dit. Et nous, on va commencer à freiner pour se rendre à la vitesse maximale autorisée qui est de 80 km/h. Donc, on va gentiment arriver à Dresden-Neustadt. On va entamer la courbe d'entrée dans 600 mètres à peu près. Donc l'arrivée en gare et le départ, je parlerai pas trop pour faire profiter du bruit du train. Voilà. La courbe de Dresden, on croise un petit train régional. Voilà. Deux autres lignes hein, sur les ponts qui partent de Dresden. Et on arrive à notre quai. Dresden-Neustadt, voie 7. Voilà, on ouvre les portes côté droite. Donc, on a une minute d'arrêt à Dresden, Neustadt, et ensuite on roulera à 80 km/h pour ensuite se rendre à 60 km/h. Tout ça pour entrer à la gare de Dresden, gare centrale, pour arriver à 19h30. Voilà. Donc, on va fermer les portes côté droite. Voilà. L'avertisseur sonore pour fermer les portes. Et on va gentiment accélérer. Voilà. À 60.
freine gentiment. Donc c'est ici que j'ai eu un bug la dernière fois, donc j'espère que ça va passer sans souci. Voilà, on arrive à 60 km/h, plus besoin de freiner. Beaucoup, beaucoup. Plus que 1,5 km avant notre terminus. Un petit train régional à notre gauche. On voit hein, là feu orange pour notre voie, c'est-à-dire que le signal de sortie de Dresden Gare Centrale sera fermé. Voilà, on va arriver avec une petite minute de retard à Dresden. Gare centrale, désolé pour la hausse de ma voix. Et voilà, on arrive à notre terminus. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Enfin, quand je dis tout le monde descend avec moi, parce que ce train après il continue direction. Enfin, je sais plus où, mais en tout cas il continue. Voilà, Dresden Gare Centrale. S'y arrêter gentiment, mais sûrement. Et voilà. Donc, signal répéteur qu'on vient de passer hein, pour dire que le prochain feu est rouge. Et nous, on freine gentiment pour s'arrêter et ouvrir les portes côté gauche. Et je vais profiter de la sortie des passagers pour faire visiter le train. Voilà. Donc on a atteint notre objectif. Moi, je vais juste vous faire visiter le train. Donc pas mal grande cabine, rien que pour nous. Les voyageurs ici, ils ont directement la vue sur notre cabine du train. Voilà. On sort du train et voilà l'extérieur de notre train. Donc ici la deuxième classe, je vais quand même vous montrer la première classe si je la trouve. Ah bah ici, il y a déjà la première classe. Donc on voit là ça, la deuxième classe, hein. Donc quand même pas si mal que ça, hein, on va pas se le cacher. Avec les petits écrans de réservation de place, hein, juste là. Et on va juste aller voir la première classe. Donc première classe, hein, avec des trucs privés, hein. Très sympathique quand même, on va pas se le cacher. Comme fermer la porte. Donc il y en a ici. Après, autre partie de la première classe, différente de l'autre. Aussi assez luxueuse, hein, on va dire. Et ici on retrouve la. Je sais pas si c'est encore la première classe. Ouais, c'est encore la première classe. Donc on voit hein, sur le point d'affichage que
C'est marqué retard dans environ une minute. Donc, on va aller verrouiller les portes. Et on va valider le scénario. Voilà, on re-rentre dans le train. On rentre dans le train. Et on va fermer les portes. Avec l'écho, hein, on entend un peu de la grande gare. Et voilà. Donc 34 minutes 41 d'itinéraire. 54,17 km de conduite. Alors, adresse de Neustadt, on était attendu à 19h24, on est arrivé à 19h25, une minute de retard, et Dresden HBF 19h30 avec une minute de retard. Donc, les amis, moi, je vais arrêter là, donc je vais séparer la vidéo en deux pour vous. Et puis voilà. Donc là, je vous remercie d'avoir regardé les deux parties de la vidéo. Donc celle-là, la deuxième partie de la vidéo sur Risa Dresden avec l'ICE 3. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, commenter, partager. Ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Magic Gaming. À plus.